Salut à toutes et à tous, c'est Konishi, on se retrouve dans notre parc, dans Planet Zoo. Et dans cet épisode, j'ai envie de mettre des nouveaux animaux encore. Donc on va placer probablement les tortues que je voulais mettre là. Faut voir ce qui est disponible comme espèce pour le moment, évidemment. Alors déjà, je vais cocher tout ce qui m'intéresse en ce moment. Tortue géante des Seychelles, ok. Tortue géante des Galapagos, pourquoi pas non plus. L'un des deux. Et puis, on va toujours vérifier qu'on a éventuellement Varan du Nil, m'intéresse aussi. Pandarou, on en a déjà deux. Crocodile marin, je peux en rajouter. On a une femelle à rajouter en plus, c'est cool, on va la mettre. Loup gris, j'aimerais bien en mettre plus parce qu'avec le nouveau patch maintenant, on peut avoir plus d'animaux et même éventuellement plusieurs mâles ou plusieurs femelles. Donc l'un sera et l'une seront alpha. Il y aura un couple alpha et les autres pourront vivre avec. Ça vient avec le nouveau patch. Lion d'Afrique de l'Ouest, ok, on va voir. Ok, cool. Donc, j'ai un mâle et une femelle en plus à prendre. On va les prendre tous les deux. Pour les loups. On va prendre des tortues géantes des Galapagos, du coup. Mais seulement un mâle et une femelle, puisqu'il ne peut pas y avoir deux mâles pour cette espèce-là. Je vais prendre celui-là qui est petit, mais le reste est ok. Alors, celui-là qui a très peu de longévité, très peu d'immunité. Prenons celui-ci. Ça. Là, c'est des Seychelles. Ok. Il y avait d'autres loups ici. Je pense qu'on peut déjà en avoir pas mal. Et le crocomarin. Ok. On va faire l'enclos des tortues ici, tranquillement, juste à côté de la zone où on peut manger tranquille ici. Et puis, voilà, les enfants, pendant que les parents mangent, peuvent aller voir les tortues juste à côté. Il n'y a pas de danger, ils sont pas loin, on les surveille. Et ce sera bien ainsi. Alors je vais mettre tous les animaux en quarantaine. Ici. Envoyer dans le zoo. Ah, peut-être pas tous au même endroit. Donc ça, dans la nouvelle partie. Ici. Et loup dans l'ancienne partie ici. Cool. Alors pendant que ils se font examiner par les vétérinaires, je regarde un petit peu combien en fait je peux en mettre. Au niveau des loups, attendez. Voilà, zoopédie. Le loup gris. C'est de 2, on peut aller jusqu'à 12. Et donc maintenant, avec le nouveau patch, il y a une modification. Ils vont être un peu plus sociaux, ils vont pouvoir vivre en groupe avec la domination du mâle alpha et de la femelle alpha. Ça devrait aller, tant qu'on dépasse pas le nombre de 12. Donc là, on est bon. Hein. On a repris quelques-uns en plus, mais on n'arrivera pas à 12. Peut-être ajouter des zones de couchage éventuellement. Ok, tout va bien ici. Alors, ce qu'on va faire également dans une prochaine vidéo, c'est mettre le monorail. J'ai envie de commencer à mettre le monorail parce que, voilà, on pourrait déjà prévoir le passage qui commencerait ici. On irait longer les crocodiles. Repartir peut-être, passer à côté de quelques enclos là, repasser près des loups éventuellement et remettre encore une station là, une là et une là. J'aurais peut-être 4 stations et avec une petite boucle à l'intérieur ici, faire un petit trajet, ça peut être sympa. Alors en attendant que les tortues arrivent, on va faire leur clôture. J'imagine qu'il faut pas quelque chose de très costaud, hein. Ni de très haut a priori. C'est celle-là que j'ai. Animal malade, ok. Taille du groupe 1 à 4 jusqu'à 1 mâle et 3 femelles. Très bien. 230 mètres carrés, faut pas que ce soit très grand spécialement. Requise non. Niveau 1 de barrière avec pas de hauteur requise, d'accord. Quarantaine terminée, l'animal est prêt à sortir. On va d'abord faire juste la clôture et puis je vais libérer tous les animaux ensemble a priori.
On va mettre... Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Je mettrais bien des petits rondins. Ça ira bien avec le bord ici. Très très bas quand même. C'est pas... On va mettre un haut plat de toute façon. Commencer bien ici au bord. Alors, il ne veut pas mettre moins qu'un 1m22. Oh, ça va, 1m22, c'est bon. A priori, on ne mettra pas de transparence. Ce sera cette barrière-là. Tout du long. On va bien suivre le bord. Pour ce petit enclos très gentil des tortues. Voilà, vraiment, je ne veux pas le faire trop grand. Je pense qu'on fera une petite allée ici centrale. En plus, avec encore un enclos de l'autre côté pour une autre espèce. Donc on va partir sur... Allonger un peu. Parfait. Faut que je reprenne le coin. On va faire un tout petit coin. Hop. 2 mètres. Après, il veut pas passer plus loin directement. Ok, ça rentre tout à fait bien, il n'y a pas de problème. Les ceux qui ne peuvent pas accéder à... Ouais, ok, ça, ils ne sauront pas le renflouer parce que c'est de la nourriture. Les jeux, c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais la déplacer plutôt. On va le mettre là. Alors, on a les animaux prêts à sortir. C'est pas comment savoir ceux qui sont prêts à sortir de ceux qui ne le sont pas. Ok. Kemala, en tout cas, c'est bon. Elle va rejoindre ses petits copains ici. Crocodile marin. Par contre... Mauvais ratio mâle-femelle. Attendez, on va attendre que la nouvelle femelle arrive. On verra à ce moment-là. On va mettre les loups. J'en ai qu'un, ça veut dire que les autres étaient malades, ils sont partis sans doute se faire soigner. Bon, je suppose, hein. Ça, c'est ok, on va continuer notre enclos des tortues. Alors, la porte du personnel. Je vais la mettre plutôt de ce côté-ci. Parce qu'on va faire une petite allée ici. Du personnel, ce sera utile. Voilà. Une porte en bois. C'est trop près peut-être de...
Non, c'est bon, de ce côté-ci, on peut la mettre. Voilà. Alors, je pourrais déjà les appeler. On va quand même prévoir déjà la nourriture et l'eau. Et il ne faut pas que j'oublie également pour mes crocodiles de mettre des boîtes à dons, etc. Pour l'instant, il n'y a personne qui vient vraiment. Mais ça n'a pas trop traîné, je pense. Donc, on va faire tout ça dans cette vidéo. Alors, habitat. Espèce tortue. Des Galapagos. Putain, on va mettre la conduite d'eau, hein, a priori. C'est le plus simple, comme d'habitude. Et une auge moyenne, ce sera largement bon. Voilà. Couchage, on va voir ce que je vais mettre. Optimisation, alors. Alimentaire, balle pour chien, bloc de fruits glacés, on va mettre la baballe. On peut la mettre plus loin, du coup. Pas besoin d'aller la remplir de nourriture. Ah si, c'est alimentaire, zut. Oups. On va la mettre un peu plus près de l'entrée alors que le mec n'est pas à marcher trop. Ici. Elle est jouée par contre. Petite balle de glace, est-ce que ça survit longtemps ça? On va essayer. Perchoir évidemment, ça ne marche pas bien pour les tortues géantes. Ok. Voilà, on va appeler. Ah, c'est bon ici. D'accord, en fait, quand la quarantaine n'est pas terminée, ils n'apparaissent pas ici. Ils n'apparaissent que quand la quarantaine est terminée. Je pense. Allez, on va ramener les tortues ici. Depuis la quarantaine. Yeah. C'est là-dedans, non? Ça, c'est toujours un petit peu embêtant pour les retrouver. On va venir là, cela dit. Tous. On a José et sa copine. Guadeloupe. Voilà, on va attendre que le membre du personnel vienne livrer. Peut-être que la pluie va s'arrêter aussi, ce serait bien. Ok, on va rajouter cette zone à la zone de travail. De la zone humide. Ok. Ça a l'air de s'éclaircir au niveau du temps. Donc apparemment la reproduction en captivité des tortues est vraiment pas difficile. Et c'est une espèce qui est un peu vulnérable, donc ça va quand même nous rapporter des points de conservation a priori. Tranquille. Très tranquille, on va vérifier l'environnement qui est déjà apparemment bon. Voilà, ils aimeraient bien un petit peu plus d'optimisation alimentaire éventuellement. Ok, on va leur en mettre plus. On peut mettre le bloc de fruits glacés en plus. Pourquoi pas. Voilà. Bien-être 87, tout est ok. On va quand même décorer un petit peu. Tropical.
Bien, on arrive dans la zone plus tropicale ici avec les tortues, les crocos. Ça me convient bien. Bon, je voudrais vraiment avoir une belle unité de transition ici, donc il faut quand même que je réfléchisse un petit peu, mais... On va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre quand même. Si on met Amérique centrale du Sud. Tropicale. Alors on va commencer à avoir ce genre de choses. Des palmiers, des bananiers. Ok. Ça, c'est vraiment les gros machins. Je vais les réserver un peu plus pour la zone où on sera encore plus dans l'aventure. Là, c'est un peu trop tôt pour les mettre. Ça peut le faire. C'est gros, mais... des buissons comme ça peut être pas mal. Je vais en mettre quelques-uns. Voilà, des espèces de fourrés. Ça, c'est vraiment trop gros, celui-là. Ça, ok. Ça fait pas encore trop tropique. Forêt de ceci. Ok, au niveau du sol, qu'est-ce qu'il leur faut? Ça va, plante, fallait pas beaucoup plus. On va pas en mettre plus. Optimisation. Terrain. Alors, faut un abri encore? Et au niveau du terrain, il faudrait moins d'herbes longues, plus d'herbes courtes, un peu de terre, du sable. Ok, on va faire ça. Moins d'herbes longues, on va virer l'herbe longue tout au milieu ici. Un peu de sable, un peu de terre. Voilà, dans la partie qui sera plus piétinée par les tortues, on va mettre de la terre. L'herbe sera partie, comme d'habitude. Au pied de l'arbre, éventuellement ici aussi. On peut imaginer qu'il y a des feuilles qui sont tombées, qui sont dégradées en humus, en terre. On va mettre un peu moins d'herbe. Et le sable. Je pourrais mettre une zone de sable qui sera une zone faite exprès pour elle. Qu'elle puisse aller dans un environnement sableux. Et ça donne quoi? Ça donne pas mal, pas mal. Ça manque encore un tout petit chouïa de sable. On est dans le bon quand même. On va rejoindre ici. Il en faut quand même du sable, hein, voilà. Je pense que le 90%, c'est bien. On a 90%, franchement, on va pas viser plus. Et l'enclos, il est simple, mais il complète bien la zone ici, je trouve. Avec l'arbre un peu plus grand derrière, ça donne quand même bien. Alors, on va mettre tout ce qui est info et boîte à dons, etc. Est-ce que j'ai de l'électricité? Je l'ai. Je l'ai à peu près sur tout le tour. Donc ça, on est OK. Service. Le plus important, c'est les boîtes à dons. On en veut tout un tas. Comme ça.
C'est quoi, j'ai pas mis de distributeur de billets dans cette zone-là. Je pense qu'il m'en faudrait un quand même. Hein. Il m'en faut un pour que les gens puissent prendre de l'argent. Je pense qu'on va le taper ici, bien en vue. Ce sera plus qu'utile. Pas que j'oublie l'abri aussi, hein. J'ai dit que je mettrais un abri. Alors, j'ai pas recyclé ça tout le temps, évidemment. J'ai pas trop envie de faire un truc perso là. Enfin, je pourrais en fait partir là-dessus. Construire dessus. Ou alors je le mets au milieu, tiens, pour changer. Elle pourrait dormir dans le sable ici, ce serait bien. Mettre comme ceci. Un peu sur le côté quand même, allez. Est-ce qu'on est OK pour le couchage maintenant? C'est bon. Bien-être 96%. Cool. Elles vont être bien, nos tortues, là. Elles vont être très très bien. On a ajouté à la zone de travail. Ça, c'est OK. Donc, on va mettre maintenant les panneaux d'information et les haut-parleurs. Ça c'est OK. Et les poubelles, bancs et sécurité, on va faire après. Ce qu'il y a, c'est que je vais les mettre un peu plus bas. Pas gêner. Voilà, on va les enfoncer un peu dans le sol. Ce sera plus cool pour les enfants pour une fois. Oh, je voyais pas bien où elle était. Ok. Bah évidemment. Bon, voilà un là, je vais en mettre un de l'autre côté. Je sais pas à quelle vraiment quantité il faut en mettre pour qu'on puisse... En fait, je peux mettre directement dessus, ici. Très très bien. Et alors, haut-parleur pédagogique. Je vais le taper. Est-ce que si je le mets là, la portée va être assez pour faire le tour? Ça m'étonnerait. C'est pas trop mal, mais il faut le mettre plutôt le mettre comme ça. Ça couvre une bonne partie déjà. Voilà, on va peut-être terminer par plisser un tout petit peu le terrain. Crevasser un tout petit peu. Ah merde, il m'a fait du... Évidemment, moi je voulais pas qu'il change la texture.
Je vais mettre auto et réduire la taille alors. Ouais, il m'a changé la texture. Bon, je vais remettre du sable. Et on va essayer de revenir au 100%. Purée, elles n'ont pas bougé depuis qu'elles sont rentrées, les tortues. Elles sont toujours au même endroit. C'est pas possible. C'est bon. Elles font rien. Après, c'est raccord, hein, pas de problème, mais... Je crois qu'elles pioncent. Alors, on a les crocodiles qui vont s'accoupler, ils se font un câlin. On va avoir des bébés, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Ok, ça c'est des messages intéressants. Quand les employés doivent faire la queue pour un service, ça veut dire que voilà, on manque d'ateliers par rapport au nombre de mécanos. Il va falloir que j'en remette un pour cette zone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un petit peu la zone de travail. De l'entrée Canopia. Donc on a un atelier là. Il faudrait qu'on ajoute un atelier peut-être de ce côté-là. Pour les disséminer un petit peu. Ou de ce côté-là. Bon là j'ai pas fini encore, évidemment je devais refaire les bâtiments là. Déjà on va attendre que le jour se lève. On m'a annoncé un accouplement de flamants roses. C'est pas spécialement perceptible comme ça, mais ils sont en pleine action. On a une... Oups, une belle tripotée maintenant, c'est cool. Allez, on va revenir de l'autre côté, j'ai trouvé l'endroit où je voulais construire. Ça va être... Ici. On a déjà une zone de repos, je vais élargir un petit peu le bâtiment et on va faire à côté... un endroit pour le... Je vais modifier le bâtiment. Voilà. Un endroit pour le... L'atelier. Oula, j'ai mis un truc en trop. J'ai mis un truc en trop. Je vais pas faire ça, je vais faire ceci. Pas mal. Ils ont mis également des décos en bas ici. C'est pas obligatoire, mais du coup, comme il y en a à droite, je vais en mettre à gauche. Il y a un petit décalage là en hauteur, mais c'est pas trop grave. Je vais bouger celui-là là et toi. Il va juste bouger, venir là. Voilà, parfait. Ok, ça c'est bon. Il y a juste ça. Je vais le copier et le remettre ici. Ça me plaît suffisamment. Ainsi, on va pas exagérer. Évidemment, là, ça fait un peu carton-pâte si on fait ça comme ça. Donc, on va modifier un peu. Il n'y a pas de lumière ici. Faut la mettre d'abord. Ok, cool. Hmm.
pas de pétrole. Oh! Voilà. Oh, oh, on voit plus rien. À cause de l'arbre. Je suis encore trop haut, dis donc. Trop bas plutôt. Pourquoi est-ce qu'il veut pas monter? Et c'est bizarre. C'est très bizarre. Si je le pose et puis je veux le bouger manuellement, il voudra pas. Est-ce que c'est grave? Pas grave, mais... C'est un peu embêtant. On va faire plus simple, on va supprimer celui-là. Ça aurait peut-être été mieux avec, mais... Allez, c'est bon, on va laisser ainsi. De toute façon, c'est pas hyper hyper visible. J'aurais peut-être bien voulu un petit signe. Un petit signe. Atelier. Que j'en ai un là pour repos, mais on peut s'en passer éventuellement. Panneau service du personnel, d'accord. Voilà. Il y en a un là. Panneau atelier, il n'y a pas. Bon, bah tant pis. Voilà. Oui, après, il n'y a pas le... Je peux le mettre comme ça, peut-être, pour changer. Oh oui, c'est bon. On les voit mieux comme ça, de toute manière. Allez, c'est bon. On relie. C'était plutôt en vert. Voilà, ok, parfait. On copie ça. Et non, et non, et non, et non. Voilà. Ok, alors ça, il faut rajouter évidemment à la zone de travail entrée. Boum. Allez, cette fois-ci, on attend le matin. On doit faire la queue pour utiliser le service. Atelier, oui, mais ça va aller mieux maintenant. Ça devrait aller mieux. Bon, j'ai plus trop d'alerte sur la... le bonheur des animaux depuis un moment, ça c'est toujours bien. On va mettre Gabella avec les autres. Ici on me dit qu'ils vont se battre, mais... Faut que je fasse des recherches sur les crocos ici. J'ai un mâle et trois femelles. Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est pas bon? Ah, taille du groupe, c'est 1 à 2. Tu rigoles? Jusqu'à un mâle et une femelle, c'est tout? Moi qui voulais plein de crocodiles? Quelle déception. Le gavial, c'est 1 à 7. On pourrait peut-être remplacer et mettre des gaviales ici.
Ok, bah si les femelles se battent, on en virera une des deux, on aura que deux crocos. Ce qui est quand même un peu dommage pour la taille de... La taille de l'enclos, je trouve. On va essayer de stériliser une des deux pour voir si ça fonctionne, mais j'y crois pas trop. Celle-là est beaucoup moins bien. On va appliquer, si ça marche, alors on pourra du coup en prendre d'autres, mais honnêtement... j'y crois vraiment pas. C'est un petit, ça? Du tout. Oui, c'est un mâle et deux femelles. Donc bon. Non, c'est un mâle et une femelle. En fait, je dois stériliser deux femelles. Voilà. On va voir. Je stérilise les deux. On verra si ça donne quelque chose. Notre copain, là, il est fatigué. Oh, le panda roux a eu des petits. On est à 85 millions, ça financièrement je pense ça va. Même s'il met régulièrement que ça descend, mais. On verra, toi tu vas faire dodo aussi. Ok, là on a un petit peu avancé, c'est bien, on a une espèce en plus. On va regarder ce qu'elles font, les tortues. Tu bois un petit coup. De manière très très placide, évidemment. Ok, on va se quitter là. La prochaine vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être... on va devoir faire un... On va quand même remplir un petit peu ici, peut-être... choisir une espèce là pour terminer ce coin là, peut-être. Du coup, on pourra alors, comme tout sera construit, faire la végétation autour, le décor, pour poursuivre ensuite par là. J'aimerais bien mettre quand même un monorail maintenant assez vite. Comme je vous l'avais dit, peut-être qu'on fera ça, éventuellement déjà le placer, peut-être, ça pourrait être sympa. J'ai peur qu'il me coûte de l'argent, du coup. S'il va y avoir des petits également. Oui, on avait dit qu'on viendrait voir les loups. Voilà, apparemment ça marche, hein. Ils ont bien modifié le mode de fonctionnement, on peut avoir maintenant plus d'adultes ensemble. La hiérarchie va être respectée, la femelle alpha va régner sur les autres en maître, ou en maîtresse, et le mâle pareil. Et du coup, content qu'ils aient fait ça parce qu'il était temps, on va pouvoir avoir une vraie meute. Dommage qu'on puisse pas avoir une meute de crocodiles. Peut-être avant de partir, on va lancer les recherches parce que je sais pas ce que j'ai eu. Une maladie. On va terminer les recherches au Springbok. Donc. Qui était ma chercheuse là-dedans? Je pense que c'était Lula Walton. Je suis plus sûr, faut qu'on vérifie. Ah mais j'ai plus fait de zone recherche de toute façon, donc en fait juste que ce soit quelqu'un de entrée Canopia qui fasse la recherche. On avait Elias Klein je pense. Et en vétérinaire. Je suis plus sûr, honnêtement je me rappelle plus. Justin Falk peut-être. Non, c'est Lula Walton ici, quasiment sûr. Et Pearly Stark, ça doit être ça.
Toi, tu vas faire des recherches sur le crocodile marin. Toi, on avait deux ici. Faut le laisser terminer ça. Allez, je souhaite une bonne continuation. Salut à tous.